Bonjour, je suis Jean-Paul Charvet, géographe, professeur émérite à l'Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Ma spécialité de recherche est la géographie agricole et rurale, et c'est sur ce thème que je collabore avec l'Encyclopédia Universalis depuis au moins une vingtaine d'années. Le principal intérêt, c'est d'informer le public qui a envie de s'instruire de la manière la plus précise et la plus rigoureuse possible. Ce qui est vraiment la clé, de mon point de vue, c'est la rigueur de l'information. Il y a quand même ce souci de fournir des informations, des éléments, des repères pour mieux comprendre l'actualité. Les textes que nous proposons, mes collègues, mes confrères et moi-même sont relus avec beaucoup d'attention. Ça ne m'est jamais arrivé qu'on me dise ben, « l'article est très bien, il n'y a plus rien à y retoucher ». Ça ne m'est jamais arrivé. Il y a toujours « est-ce que sur ce point, on ne peut pas être un peu plus précis, mieux justifier telle affirmation en donnant une référence bibliographique précise ?» Donc il y a un gros travail éditorial qui est fait derrière. Quand il y a un texte qui figure dans l'Encyclopédia Universalis, il est sérieux, il est mis à jour. Je vais prendre qu'un exemple. J'ai dû commencer à écrire l'article « Politique agricole commune » dans les années 1980. Et là, nous devons en être à la quatrième ou cinquième version de cet article « Politique agricole commune ». Au fond, l'Encyclopédia Universalis est un très bon antidote contre les fake news.